Sous le haut parrainage de Rodéo Menikpa, deuxième adjoint au maire de la ville de l'Espérance et parrain du mandat 2020 de la jeune chambre internationale Iroko Lokosa que préside Kodjo Enyonam Makinu, les écolières et écoliers de l'école primaire publique de Yenawa à Nivedji dans la commune de Lokosa ont reçu ce jour de la rentrée académique 2020-2021 des kits scolaires. Zéro enfant, sans cahier. Voilà le combat de Kodjo Enyonam. Nous avons voulu impacter aujourd'hui le quartier EPP Yenawa en faisant don des kits sous le parrainage de M. Meipa Rodéo, qui est le parrain du mandat et en même temps le deuxième adjoint au maire de la commune de Lokosa. La justice a initié le projet et il a eu le voix et on a discuté et il a accepté. Donc c'est sur ça qu'on est venu ce soir pour faire don de kits aux apprenants de EPP Yenawa. Et ça se compose comme suit. Les enfants du CI auront un cahier de 100 pages, deux cahiers de 50 pages. Les enfants du CP auront un cahier de 100 pages et deux cahiers de 50 pages. Les enfants du CE1 auront 3 cahiers de 100 pages et 2 cahiers de 50 pages. Les enfants du CE2 auront 1 cahier de 50 pages et 5 cahiers de 100 pages. Les enfants du CM1 auront 5 cahiers de 100 pages et 1 cahier de 200 pages. CM2, 5 cahiers de 100 pages et 1 cahier de 200 pages. Heureuse du choix porté sur son école, Christine Kodjo Kodo, épouse Nouagbe, directrice de l'école primaire publique Yenawa, déclare. Par rapport au kit scolaire offert à nos enfants, nous ne pouvons que remercier les donateurs parce que ça va nous faciliter la tâche pour le démarrage des activités scolaires. Au lieu qu'on commence par réclamer cahiers aux enfants, déjà nous avons constaté que les enfants sont en possession des cahiers. Donc, démarrer les activités pédagogiques, on sera plus bloqué. Donc, nous remercions la jeune chambre internationale Iroko. Pour le représentant des parents d'élèves, le jeune Rodo Menipa est d'ores et déjà béni par le créateur des cieux et de la terre pour la pérennisation de ses actions. Je suis fier que si un enfant de notre pays cherche l'évolution de notre quartier, ça me précise bien. Donc, ce que mon père avait fait maintenant, je suis fier de lui. Et si c'était là, il trouverait encore de bien plus que ça. Je vous remercie beaucoup. Enfin, le représentant du parrain de l'événement, Serge Hondé-Huignon, livre ses impressions. Les enfants, c'est ceux-là qui vont nous remplacer demain. C'est ceux-là qui vont remplacer le parrain demain. Ce que le parrain est en train de faire aujourd'hui, demain, ces enfants-là vont emboîter ses pas. Donc, raison pour laquelle le parrain a dit, pour un avenir meilleur, il faut commencer par la base. Et la base, c'est l'éducation. Donc, c'est pour cela que le parrain Rodéo Menkba a parrainé cet événement. Bien bâtir une nation revient à bien éduquer les enfants pour un lendemain meilleur.